She's a radical war hawk. Let's put her with a rifle standing there with 9 barrels shooting at her, okay? Let's see how she feels about it. You know, when the guns are trained on her face. Anyone who wants to be president of the United States who uses that kind of violent rhetoric is clearly disqualified and unqualified to be president. I think that Liz Cheney is a disaster. All she wants to do is blow people up. She's a war hawk and a dumb one at that. And if you ever put her into the field of battle, she'd be the first one to chicken out. She wouldn't fight. She'd chicken out so fast. And that's all I say. These are the people. They don't mind killing people, but if they had to do it themselves, she wouldn't fight. She's a coward. Alors, c'est une campagne où tous les coups semblent permis, où la violence verbale de Donald Trump semble ne connaître aucune limite. On en a eu un bel exemple, notamment au Madison Square Garden dimanche dernier, avec ce prétendu humoriste ou comédien qui parlait de Porto Rico comme d'une île flottante avec des déchets qui étaient des Portoricains. Alors, mon invité est le professeur de droit Louis-Philippe Lampron, qui a pu constater lui-même l'autre soir. Il était présent au Madison Square Garden lors de ce grand rassemblement républicain. Et je joins à New York. Bonsoir, Louis-Philippe Lampron. Bonsoir, Anne-Marie Dussault. Alors, peut-être que je vais préciser aux téléspectateurs, d'habitude, on vous rejoint à Québec, là, on vous rejoint à New York, parce que vous êtes là pendant quelques mois pour étudier l'impact de la désinformation sur les institutions démocratiques. Et vous avez publié un texte dans le forum de l'UQAC en disant que le 5 novembre sera un test pour les institutions démocratiques. Est-ce que ce que vous avez vu et entendu au Madison Square Garden confirme cette hypothèse que la désinformation, le discours peut-être haineux, a un impact? Très, très clairement, la stratégie, elle est claire comme de l'eau de roche. Alors, c'est ce sur quoi je reviens dans mon texte publié sur le forum de l'Observatoire de la liberté d'expression de l'UQAC. Il y a deux grandes lignes qui ont été très, très clairement établies par toutes les têtes d'affiche qui ont défilé avant Donald Trump et par Donald Trump lui-même. D'une part, et on l'a vu dans le reportage qui a précédé, la rhétorique de plus en plus agressive, en fait. On désigne les opposants politiques comme étant des ennemis de l'intérieur, des ennemis du peuple, et on fait charger tout le portrait, en fait, là, incroyablement délétère de la situation, les États-Unis seraient un pays brisé, etc., sur le dos des opposants politiques. Donc ça, c'est la première ligne. Et donc, ça annonce, si tant est que Donald Trump emporte l'élection, des lendemains qui vont être passablement à suivre, à tout le moins, là, sur le maintien des conditions pour que les institutions démocratiques que les États-Unis demeurent finalement une démocratie, ni plus ni moins. Et surtout sur la stratégie en lien avec l'élection, là, on a pu assister à la même rhétorique que celle qui avait été mise de l'avant en 2016, en 2020, c'est-à-dire que Donald Trump non seulement affirme qu'il est en tête, mais on met en place une rhétorique laissant entendre que la seule possibilité que Donald Trump perde la campagne présidentielle, c'est en raison de tricherie ou d'irrégularité, en fait. Alors, très, très clairement, là, le 5 novembre, peu importe la marge de victoire éventuelle de Kamala Harris, il va y avoir un test important et des contestations tout azimut là, du résultat. Là, c'est annoncé sur à peu près toutes les tribunes et c'était au cœur de toutes les interventions au rassemblement du Madison Square Garden. Vous avez été ébranlé par ce que vous avez entendu. Aviez-vous déjà, pour certains, c'est du jamais vu et entendu, c'est un show, c'est le cas de le dire, qui a duré des heures et des heures. Et oui. Il y a eu toutes sortes de propos qu'on n'a pas nécessairement diffusés, mais c'est... C'était choquant? C'était troublant, très clairement. C'est-à-dire qu'il faut garder en tête que la principale ligne qu'on rapportait tous les intervenants, pas uniquement Donald Trump, c'était la promesse que dès le jour 1, on allait initier la plus grande déportation de masse des migrants dits illégaux là, aux États-Unis, qu'on allait invoquer la loi... Une loi là, qui date de 1798 là, sur les étrangers, qui a été utilisée la dernière fois, je crois, pour justement interner des citoyens américains et japonais pendant la Deuxième Guerre mondiale. Alors, on y va vraiment avec une rhétorique et des projets qui, moi, personnellement, sont à glacer le sang. Mais au-delà de ça, ce pourquoi je suis assez inquiet pour le 5 novembre, c'est le fait que l'éventualité d'une répétition de ce qui s'est passé après l'élection perdue par Donald Trump en 2020, et on a vu, hein, on ne peut plus prétendre qu'on ne savait pas. On a vu qu'est-ce qui s'est passé entre l'élection perdue et ensuite le 6 janvier 2021. Et donc, manifestement, là, la ligne, elle est clairement établie.
Et cette idée selon laquelle, c'est la phrase de Donald Trump, là, c'est-à-dire qu'il faut absolument, il demandait à ses partisans de lui donner une victoire avec une marge de manœuvre trop importante pour qu'elle soit l'objet de tricherie de la part des démocrates. Ouais. C'était répété par Elon Musk, qui était présent également, par Stephen Miller. Donc, vraiment, tout azimut, on laisse entendre que, avec des affirmations non fondées, bien sûr, qu'on mène dans tous les États clés, alors que les sondages démontrent le contraire, démontrent une égalité au minimum dans plusieurs de ces États clés-là. Et donc, vraiment, ce qu'on veut laisser entendre, c'est qu'il n'y a pas d'autre Ouais. possibilité d'une défaite de Donald Trump, Trump, que par tricherie. Ouais. En même temps, ce soir-là, il l'a décrit dans les jours d'après comme étant un festival de l'amour. Le 6 janvier, c'est un jour, un day of love, amoureux. Donc, ça me ramènerait aux propos tenus à l'endroit de Liz Cheney hier en disant qu'elle, comme c'est un faucon donc qui promeut la guerre, elle devrait se retrouver devant un escadron de 9 personnes avec des fusils qui sont braqués sur elle. Il y a un peu le mot shooting. Évidemment, Mme Harris a dit que ça le disqualifie. Est-ce que ça veut dire qu'il n'y a pas de limite? Ce fameux premier amendement aux États-Unis, il n'y a pas de limite. Tous les coups sont permis. Ça nourrit la violence, la haine. Dans un contexte électoral, et c'est au cœur de mon projet de recherche, et là, on n'a même pas encore parlé de l'impact potentiel des deepfakes, là, ces vidéos d'hypertrucage qui ont déjà commencé à circuler, hein, la vidéo qui a été liée, dont la production a été liée aux autorités russes, laissant entendre ou montrant, en fait, faussement, bien sûr, là, une personne déchirée des bulletins de vote papier qui auraient été enregistrés pour Donald Trump. Bon, alors, on imagine qu'on va voir une multiplication de ces vidéos-là qui vont simplement alimenter le doute. Hein. C'est le principal impact de cette désinformation-là. C'est pas tant de convaincre, mais bien d'alimenter le doute envers la véracité des institutions vers lesquelles on doit se tourner pour que la démocratie fonctionne. Les grandes institutions comme les élections, la Cour suprême, l'État de droit, etc., ça repose essentiellement sur la confiance. Alors, des phrases comme celle-là, et le grand problème avec la conception qu'on a actuellement de la liberté d'expression, c'est que, surtout dans le contexte électoral, les limites du droit sont très difficiles à faire respecter à l'encontre de candidats qui s'attaquent au fondement même de la démocratie. Et à mon sens, là, il y a tout un débat qui a été lancé à savoir est-ce que Donald Trump, on peut ou non, ça a été initié par le général Kelly, là, qui était son ancien chief of staff, est-ce qu'il est un fasciste ou pas? Indépendamment donc de tous les débats qu'on pourrait avoir à savoir si oui ou non, je suis un juriste, hein, alors la définition, elle est importante. Est-ce que c'est un proto-fasciste, un fasciste ou quoi? Il est très, très clair qu'on peut affirmer sans se tromper, en fait, qu'il a un agenda autoritaire. Un agenda Alors, une phrase comme autoritaire, ça. oui. Un agenda Autoritaire, autoritaire, tout à oui. fait. Donc, évidemment, s'il devait prendre le contrôle de... Parce qu'il est censé y avoir des contre-pouvoirs aux États-Unis, on a toujours dit Oui, ça. S'il tout à fait. prenait le contrôle de la Chambre des représentants, une majorité là, et Oui. du Sénat, il contrôle tout. Si c'est un pouvoir unifié jusqu'à la tête, jusqu'à la présidence, avec des juges de la Cour suprême nommés par lui qui penchent toujours de leur côté, ça peut faire comme dans d'autres pays, sous prétexte d'être en démocratie, transformer ce pays-là et menacer la démocratie de l'intérieur en prétextant Non, qu'il a été élu, oui. on l'a déjà vu, et les contre-pouvoirs, parfois, il faut ça prend une grande vigilance à toutes les étapes, en fait, là, et c'est des choses qui sont peu intéressantes. C'est pas tellement sexy que de s'intéresser au processus de nomination des juges, mais dans les faits, on l'a vu, ce que ça a donné sur Roe v. Wade avec la Cour suprême et la super majorité conservatrice qu'on doit au premier mandat présidentiel de Donald Trump. Et surtout, on parle de contre-pouvoirs, mais on est toujours à risque d'une interprétation, on va dire, très étonnante pour être généreux envers la Cour suprême des États-Unis. Rappelez-vous la dernière décision concernant l'immunité dont bénéficie maintenant le président des États-Unis en matière criminelle dans le contexte de son mandat. Avant la décision de la Cour suprême des États-Unis, tout le monde voyait ça comme étant non seulement un long shot, pour parler avec une expression anglaise, là, mais dans les faits, c'était vraiment incroyable cet arrêt-là. Alors, dans un contexte où la rhétorique vise à saper la confiance d'une partie de la population envers les institutions qui sont chargées de départager les allégations fausses, les allégations vraies, et qu'on peut s'attendre à des contestations tout azimut, si tant est que Donald Trump devait perdre l'élection présidentielle, devant les tribunaux, on ne sait pas, surtout qu'on va se fonder sur un cadre constitutionnel qui a été appliqué largement à travers un gentleman agreement, c'est-à-dire que, règle générale, les grands électeurs, ils votent dans le sens de La le victoire, candidat à la la victoire. présidence qui a emporté la victoire. Voilà. On Mais va écouter. donc, ça aussi, ça fait partie des cibles.
Bon, on va écouter brièvement. On va regarder la réaction. Je reviens à Liz Cheney parce qu'il y a un lien. Vous avez parlé oui. de pouvoir autoritaire. Dans sa réaction à la déclaration de Donald Trump, la voyant sur un champ de bataille devant un escadron de tir, elle dit « C'est ainsi que les dictateurs détruisent les nations libres. » Je vais me maintenir à cette première phrase parce qu'ils menacent de mort ceux qui parlent contre eux. Bon. Alors ça, évidemment, c'est absolument dramatique, cette phrase-là. Mais venons-en donc en terminant à l'impact que toutes ces déclarations-là amènent oui. finalement sur comment ça peut influencer les élections, comment ça peut nourrir la violence. La procureure générale de l'Arizona examine ça comme si c'était une plainte là, pour oui. intimidation. Bien, écoutez, les mots, à un certain moment, quand on n'est plus capable de monter dans l'inflation verbale, nécessairement, ce qui reste ouais. après ça, c'est de tomber dans encore une fois, c'est du pessimisme de protection. On ne veut pas que ça se déroule comme ça, mais c'est certain que là, tous les ingrédients sont en place. Il y a un risque important de dérapage. On va le tourner comme ça. Et là, on n'a même pas parlé de la rhétorique qui est utilisée depuis le début de la campagne. Ça a été prégnant pendant le rallye du Madison Square Garden. La manière qu'on a de parler des migrants, là, on parle mmh. d'invasion de migrants. Mmh. On revient sur des arguments en disant les États-Unis sont maintenant un pays conquis. Nous ne nous laisserons pas conquérir. Nous ne nous laisserons pas. We won't be overrun. Et donc, tous ces arguments-là, tous ces mots-là, ça légitime voilà, des actions de manière cohérente. Là, j'aurais voulu vous parler de la poursuite de Trump contre CBS à cause de l'entrevue oui. de 60 Minutes. On en reparlera une autre fois. Bon séjour, bonne recherche à New York. Vous êtes près de la fournaise pour faire cette recherche. Merci beaucoup, Louis-Philippe Lambron. Bonne soirée. Merci, au plaisir. Pour voir nos émissions en entier, rendez-vous sur la chaîne ICI RDI.